Salut à tous, nous voilà pour le montage de la MRX partie 5. On continue sur le train arrière. Donc le train arrière, on nous dit qu'on a les deux supports. Donc je vais utiliser le support qui permet de monter une carrosserie Lexan. Ok. C'est lui qui va servir de guide ici dans l'encoche pour le petit roulement qui est là au fond. Donc on le met dans ce sens là. Ici à l'arrière, toujours avec les petites vis noires. Voilà pour une. En voilà pour deux. Alors je vois qu'il y a plusieurs trous. Il y a de fortes chances que nous ayons un kit 102 incessamment sous peu qui reculerait le pod à partir de là. Et tout le pod reculerait. Je sais pas, je sais que c'est dans les tuyaux le kit 102, mais je sais pas pour quand et ni comment. Mais vu ces trous là, à mon avis, c'est prévu pour ça. Donc voilà mes quatre vis, je finis par les bloquer. Voilà, donc notre pod est guidé. Ok. Allez, je continue avec l'étape 6. Ouvrir le sachet 5. Il est où le sachet 5? Il est là. Donc moi, je vais pas mettre la platine hein, ici carbone. Hein. C'est vraiment que pour le support de carrosserie, carrosserie rigide. Hein. Peu que chaud, je vais me contenter que d'installer cette pièce là. Il y a des petits trous pour le tenir centré. Voilà pour cette étape 6. Je vous dis à de suite pour l'étape 7 de la MRX. Salut!